Résumé de l'épisode 3. L'aventure continue avec l'African Style qui est de plus en plus performante et de mieux en mieux organisée. Plus rien ne peut arrêter l'African Style, l'équipe n'a plus peur des gros méchants. Elle arrive désormais à trouver des failles dans la défense ennemie de plus en plus rapidement, mais vous vous demandez peut-être pourquoi je vous montre ce match. Tout simplement parce que notre ami Pot s'est réveillé et a montré sa puissance en inscrivant 3 buts décisifs dans ce match. Pot a tout simplement montré l'originalité africaine et le football africain, en faisant parler ses jambes et son buste rayonnant. C'est après ce match que Pot et Maga se sont rapprochés. Les deux ensemble formaient une attaque de choc, voire même un duo de choc. Et c'est là que le meilleur joueur de la Terre est apparu, les amis, j'ai nommé Don Yatabaré. Non, je rigole, vous m'avez vraiment pris au sérieux, quoi. Ce joueur a raté absolument tout, que ce soit ses tirs ou même ses passes, quoi. Yatabaré a bien failli nous faire perdre ce match, mais heureusement que notre ami Maga était là, quoi. Non, vraiment, il ratait vraiment absolument tout. Il ratait même ses tirs quand il n'y avait pas de goal, quoi. Regardez-moi ça. Bon, l'African Style possède désormais 6 points à son actif et je vous annonce que l'épisode 4 va bientôt commencer. Attendez, j'ai oublié de vous dire une information importante. Femi a viré Yatabaré de l'équipe. Hein. Donc les amis, dites au revoir à Yatabaré et sur ce, je vous dis ciao, prenez soin de vous et bon visionnage de l'épisode 4, les amis. Ciao. Salut tout le monde, c'est Fumar, et aujourd'hui on se retrouve avec Mario. Comment ça va Mario? Let's go, okidoki. Pour l'épisode 4 de African Style, l'épisode 4 qui était super attendu les amis. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à vous sortir l'épisode 4 les amis? Alors, il faut savoir que je suis à l'université et j'ai pas trop le temps de, comment dire, de faire des vidéos en semaine parce qu'avec les cours, les devoirs et tout, enfin bref, c'est super compliqué. Et la semaine prochaine, j'ai beaucoup de parcelles, donc pour faire African Style 5, ça va être plutôt compliqué. Bon, j'essaierai de vous le faire le week-end. Généralement, les African Style, je vous le fais le samedi ou le dimanche. Bon, ça me prend une journée de montage, en gros. Et, bah voilà, c'est tout. En tout cas, je suis content de vous revoir. Et je pense que Mario Kiroki est content de vous revoir aussi. Donc, les amis, il y a eu beaucoup de changements déjà. On a viré Yatabaré. On le sait tous pourquoi, hein. Le mec, il a raté toutes ses passes, il a raté toutes ses frappes, voilà. Voilà. C'était inévitable, Yatabaré. C'était inévitable, inévitable. Et à la place, on a recruté 2 personnes. On a recruté un DD, un défenseur à droite, une personne qui vient du Nigeria, qui s'appelle Daniel Adejo. Et pour finir en attaque, pour remplacer Yatabaré, et pour remplacer Pot, qui en ce moment est en train de se reposer, on a pris... Emeneke, qui est aussi, qui vient lui aussi du Nigeria. Ouais, c'est ça. Donc les amis, sans plus attendre, on va lancer un match tout de suite. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Cisco FC. Quoi? Une full équipe bronze, mais avec 100 collectifs. Eh les amis, ça veut rien dire. Franchement, ça veut rien dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Franchement. Waouh, il a une belle équipe, hein. Franchement, il y a une belle équipe, il n'y a rien à dire. Une belle équipe, mais c'est que du bronze. Mais faut pas se fier aux apparences, les amis, ça peut être trompeur. Boko, Traoré, allez, c'est parti. Emily Kay, premier ballon d'Emily Kay. Maga tout seul. Emily Kay. Maga. Boum. C'est beau ça. Wouh. Traoré, le premier but sur une reprise de volée. Bon, c'était un peu moche. Boum, Emily Kay tout seul, Emily Kay, boum, Emily Kay, oh, le poteau, oh non. Bon ça, quand il n'y a pas pote, on n'arrive pas à faire du jeu. Emily Kay, Cessegnon, là le premier but de Cessegnon, oh là là, le béninois, Cessegnon le meilleur joueur béninois, il a marqué. Un nom où les enseignants, il a marqué, oh là là, il a marqué. En finesse quoi, il a pris son temps en mode m'en bats les couilles, c'est saignant, m'en bats les couilles. Alors jeu, non? Oh, c'est beau ça le contrôle, my gars. Boum, Emily Kay. Boum, MLK, vous êtes tous niqués, MLK. Booyah, l'enrôler quoi.
Putain, mais normalement on assure mieux que ça là, il se passe quoi? Waouh, waouh, Farnol! Ouh! Les gars! Wouah! Oh! Oh, avec les fesses, les gars! Oh, c'est beau ça! Oh là là! Oh, la défense, les gars, mais ça c'est beau! Oh putain, on a eu chaud! Boum! Allez, Traoré, Emily Kay! Emily Kay, tout seul pour Maiga! Maiga, easy, en finesse. Maiga en finesse, non, vous êtes d'accord? Maiga en finesse ou pas? Ouais. Oh là là. Oh, le... oh, Farnol, magnifique Farnol. Don Farnol, oh là là. Le Benning. Ah, en plus, c'était hors jeu, quoi. Mais bien, bel arrêt, Farnol. Oh, Maiga tout seul. Maiga, mais c'était quoi cette passe, Farnol? Magnifique. En deux passes, quoi. My guy, l'invincible, il est de retour. My guy, il a enroulé en Lucas. Ne tape pas le micro, Femi. Mais vous avez vu la passe? La passe décisive de Farnol, quoi. Allez, Traoré, je te sens bien, là. My guy, pour Emily Kay, qui va se centrer. Boum! Traoré, Spock, Traoré. Il a mis une tête, oh là là, toi, ohé. Il a tapé comme ça, oh là là, toi, olé. Quand t'as dû à qui, ça veut rien dire, t'as quoi, dit Mayo. Oui, Traoré, c'est le plus fort, let's go. Traoré, 6-0, c'est trop facile. On a une dernière action. Traoré pour Maiga. Maiga qui va lober. Oh, magnifique. Don Maiga, il est pas tout, le petit Maiga, le petit là, dans la Lucane, oh là là, vous avez vu, on le bat 7-0, le triplet de Maiga, si je ne me trompe pas, Maiga, il a gagné Maiga, c'est bon, tu vas te calmer, Félix, tu vas reposer tes fesses sur le siège et fermer ta gueule. Putain, en tout cas, ça me fait, franchement... Je vous félicite les amis pour les likes et les commentaires que vous me transmettez à travers mes vidéos d'African Style. Ça me fait super plaisir, franchement. Ouais, j'ai été impressionné à la limite. Vous me dites tous, ouais Maiga, ouais, super concept, tu me fais trop rire. Et bah franchement les amis, bah, ça me fait plaisir de faire ça. Et en tout cas, bah, j'espère que cette série va continuer. Hein. Bon, j'espère qu'il a pas une équipe cheatée, mais vu son emblème, il a une équipe cheatée. Ah! Oh mon dieu! Ah, faites gaffe. Govou, Pogba, pour Pote! Emily Kay, what? Pourquoi Emily Kay, j'ai lobé? Il a pris la balle en reprise de volée. Y'a rien à dire, oh là là, regardez, déjà le lob ça allait dans les cages. Et Emeni Kay, il a poussé le ballon pour avoir le but dans son avant-tête, dans son statut. Je sais, ça veut rien dire, on le bat 1-0. Il va falloir se calmer le jeu. Au niveau défensif, il a des bons joueurs, c'est vrai, mais il sait pas les utiliser. Faites gaffe. Il va centrer et on sait que Balotelli fait mal aux fesses. C'est 2-1-2, Balotelli. Voilà. Oh! Allez, Boko, on part. C'est Seigneur, on part. Allez, pote, on part. Allez, Emeni Kay, il a frappé. Il a tout cassé. Bien joué. Franchement, il n'y a rien à dire. Allez, tu l'as, Bombard. Tu l'as, bien joué. Oulala, là là, les gars, c'était chaud, Bombard. Pourquoi j'ai dit Bombard? C'est comment il s'appelle? Oh putain, en plus je confonds tous les noms les amis. Emily Kay, tout seul. Magnifique. Pour en revenir à l'arrêt, c'était Farnol. Emily Kay, il a tout niqué. Oh là là, Emily Kay. Il a marqué sur un enroulé, un petit crochet qui est passé quand. Bien joué. Y'a rien à dire de ce côté-là. J'ai dit de faire deux passes. Vas-y, Boko. Boum. Boko. Oh. Eh hey, mes potes, ça va pas la tête hein. Boum. C'est nul. Govou,
Gofu à gauche, oh là là, Gofu à droite, oh là là, Gofu, 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 Gofu. La reprise de volet qui t'a tout fait éclater, qui a tout dans le danger, oh là là, Gofu, oh là là, Gofu, oh là là, regardez la reprise. C'était Gofu, on dirait que... Les amis, on fait quoi? On teste le nouveau duo Doumbia, Doumbia et Minikei? Vous voulez tester Doumbia ou Minikei, les amis? On teste Doumbia et Minikei ou on remet MyGapot? Je pense que à ce match, on mettra, on va tester Doumbia et Minikei, d'accord? Oh là là, j'aime pas ça. Je sens que ça va être une grosse équipe brésilienne avec des joueurs noirs. Oh! Doumbia. Ah, oh, bien joué, Farnol, bien joué. Ah, ça va être chaud. On n'a pas le droit de perdre, on n'a pas le droit de perdre, les gars. Il nous faut cette médaille. Oh non! Oh non! Oh là là, les gars, réveillez-vous! Vous étiez meilleur que ça! Putain, un défaut tout seul. C'est bon. Oh non! Oh là là. Oh non! Allez, allez, Doumbia. Oh non, Doumbia, quoi! Mais t'es sérieux? T'es sérieux, mec, là? T'es sérieux? C'était peut-être notre seule chance de gagner, quoi. Vas-y, Manikei. Boum! Manikei! Voilà, voilà. Allez, les amis, encore un but. Encore un... Il nous suffit de faire égalité, on a le titre. Hein. Allez, Boko. Regarde, Boko, il est en train de pousser, quoi. Allez, Doumbia. Manikei. Allez. Gofu. 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 L'extérieur du pied. Gofu. Il est là, Gofu. On perd 2-0. On l'a tapé à 2-2. Et maintenant, on doit gagner. Ouh. Oh, les gars. On pose. On pose le jeu. On pose le jeu. C'est bien. Faut faire gaffe. Faut pas qu'ils nous en mettent. Là, ça va être des vieux trucs. C'est bon. Oh, bien joué, Farnol. En tête, on n'a pas le droit. Les gars, on n'a pas le droit de se prendre un but en tête. Ça, c'est des vieux buts. Non, les gars! Vas-y, à nous d'en mettre un en tête, s'il vous plaît. À nous, à notre tour. Allez, tu l'as. Putain. Allez, tire. Oui, 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 Pogba. Oui, oui. Allez, 3-3. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est fini là. Dites-moi que c'est fini. Oh, oh les amis, égalité. Égalité. Ouh. On a réussi à avoir le titre. Oh, c'était grave chaud. Oh là là, putain, c'était chaud. Et Doumbia, t'es grave naze. T'es grave naze, je suis désolé. Franchement, t'es grave naze. Pogba, Gofu, vous avez grave géré, rien à dire. Mais on est d'accord les amis que Doumbia ici. Oh là là, il nous fallait juste un point, on l'a eu. On a eu le titre, c'est super. Bon, Doumbia, je suis archi déçu. Putain, mais waouh, wow. Mes mains, à la limite, elles tremblent les amis. Donc les amis, en tout cas, j'espère que l'épisode 4 de African Style vous aura plu. Si vous avez kiffé, enfin franchement, un maximum de likes pour cette vidéo, quoi. Parce que deux victoires, une égalité, c'est quand même chaud. On est passé en division 3, les amis. Je suis vachement content. Donc si vous avez kiffé, vous mettez un petit pouce vert, ouais. N'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, voire même me donner des conseils, vos avis sur la vidéo et tout, etc. Les amis, j'arrive même plus à parler tellement le match est intense. Bref, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pourquoi pas parler de cette série à vos amis, à l'école, au lycée ou à votre voisin, j'en sais rien. Et pourquoi pas partager cette vidéo sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine, et prenez soin de vous les amis, et on se retrouve pour l'épisode 5 de African Style les amis, allez, ciao. On va à gauche, oh my god, oh la la, oh my god, my god, oh la la, j'ai marqué mon 7ème but, mon ami, 7ème.